Salut Marcus, Cindy, t'es de retour. Oui, j'ai la croix de Coronado. Et je suis tellement content de pouvoir rejouer à ce jeu. Wow, merveilleux, jeu. Ça fait si longtemps que tu l'as cherché. Toute ma vie. Et voilà, donc quel bonheur de pouvoir rejouer à ce point and click que j'aime d'amour. Voilà, je suis hyper content. Donc je pense que je vais me faire toute l'aventure. Donc je pense que je le scindrai évidemment en plusieurs étapes. Et voilà, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir replonger dans ce Indiana Jones et la dernière croisade que j'avais aimé et que j'avais, mais comment on peut dire, rincé. Mais alors, j'avais joué là sur Amiga, peut-être sur Atari, je sais plus. Enfin bon, sur tout ce que j'ai pu, tous les micro-ordinateurs que j'avais, j'y ai joué pendant des heures. J'ai regretté qu'il n'y ait jamais eu de conversion sur console comme il y avait eu pour Monkey Island. Et voilà, donc là, grâce à Good Old Games, ben ces choses réparées, comme on peut dire, et je vais pouvoir enfin, voilà, pouvoir enfin jouer à cette petite merveille. Alors, use, est-ce que ça marche? Non. Alors attendez, parce qu'il faut que je... Ah oui, non, attends, il faut que j'attrape le marteau. Attends, il faut juste que je me rappelle. Si je prends le marteau. Voilà. 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 Et vas-y, coco. Ah, j'ai récupéré le maillet. Le maillet, c'est très bien. Je crois que je peux me battre contre lui, mais il faut que je me change. Alors, attendez. Ah, ok, je vais aller. Là, je crois que si je vais voir là-dedans, il y a de la bave, c'est dégueulasse. Tiens, je ne me rappelais pas du tout qu'il y avait un boxeur là. Est-ce que je peux lui parler? Non, pas du tout. On va le regarder. On peut pas. On peut pas très bien. Je crois que je peux me battre avec lui. Je crois que je peux me battre avec lui, mais je vais me prendre une branlée, ça c'est évident. Oui, il faut que je me change. Alors, on va aller se changer. Bon, c'est sûr que point de vue sonore, c'est vraiment le minimum syndical. Mais pff, avec les musiques étaient tellement bonnes, enfin, c'était un tel bonheur de pouvoir jouer à ce jeu, à ce film, en fait, que je suis très 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 content. On va y aller doucement, hein, parce que je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout les touches. Game pause, non, alors pas du tout. Attendez, comment est-ce qu'on joue? Bon, alors effectivement, c'est très con. Ah voilà, putain, ça y est. Donc ça, c'est pour reculer. Ah, c'est ça qu'il faut que j'appuie là-dessus. Ok, je me suis bien. Ok. 8, on avait dit, c'était quoi taper? Donc, garde. Ok, d'accord, super. Je suis coincé dans les cordes, je vais crever de toute façon, c'est pas grave, au moins j'ai récupéré les touches. C'est déjà ça. 10 minutes plus tard, oui, je pense qu'on va sortir des maps. Non, non, c'est bon, je me battrai directement. Voilà, je pense que je vais passer pour l'instant, peut-être une autre fois. Je me vengerai sur les soldats allemands un petit peu plus tard. Je crois qu'il y a un cheat pour gagner, je me sens avoir lu ça. Mais on n'est pas là pour ça. On va aller voir Marcus, qui est ici. Alors, allons parler à ce cher Marcus. Alors, on va regarder, look.
Les différents trésors et artefacts que j'ai ramenés de mes expéditions. Alors, c'est pas du tout, Marcus. Alors, attendez, juste un dernier truc. Non, pas changer les langues. Bon, tant pis. Alors, donc, c'était pas Marcus. Donc, je vais aller dans mon bureau, je crois, de mémoire. Je crois que c'est ça. Non, open. Open the door. Étudiants, soyez patients. Je suis sûr que Dr. Jones va être de retour bientôt. Et bien évidemment. Mais nous attendons pour signer nos cartes toute la journée, nous l'avons entendu. Oui. Donc voilà, c'est Lucasfilm était quand même évidemment. Irène, qu'est-ce qui se passe ici? Teinté d'humour, et c'était très 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 drôle, évidemment. Oh, Dr. John, je suis très heureuse de vous voir. Ces étudiants sont très 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 mécontents, énervés. Eh ben, on va leur parler. Et bon, évidemment, l'humour dans ce jeu-là était moins présent que dans un Monkey Island, par exemple, parce que ça devait suivre effectivement la trame du film. Donc, ils pouvaient moins se permettre des délires humoristiques ou des anachronismes. Eh bien, nous allons parler. Ils sont où? Parler, speak. What is turn off you? Talk. Talk to the student. Excusez-moi, mais I've got to be going. Je dois y aller. Alors, bien, barrez-vous de mon chemin, les gamins. Juste un moment, je suis sûr que nous pourrons travailler, enfin, trouver une solution. Et peut-être que vous voulez tous trouver un nouvel Amazon. Eh bien, donc, on va dire ça. Juste un moment, je suis sûr que nous pouvons trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire là? Allez, bon, ça marche, d'accord. Je croyais que je pouvais aller dans mon bureau directement. Oui, c'est ça. Allez, hop, on va se barrer de là. Pourquoi tu me fais chier? Il faut que je te parle, toi, peut-être? Irène, qu'est-ce qu'elle me dit? Don't talk to me, Dr. Jones. Ces étudiants sont très énervés. Ah, c'est toi, Irène, d'accord. Bon, alors on va reparler à ces trous de balle. Va essayer tous les trucs, hein. On veut nos cartes signées. Mais il n'y avait pas un truc où justement je leur disais que j'allais dans mon bureau, là. Ah, voilà. Ah, oui, d'accord. Bon, alors là, je sens qu'on va pouvoir trouver quelque chose quand même. Oh putain. Déjà bloqué comme à l'époque. Le problème, c'est que là, je ne peux intervenir nulle part. Hein. À part, faut peut-être dire. Ah, ok, d'accord. Bon, alors, est-ce que je peux marcher là? Non. Pick-up. Est-ce que je peux prendre des cartes? Mais je voudrais lui parler en fait, pour lui dire qu'elle prenne. Non. Qu'elle prenne l'ordre des arrivants pour que je les voie après. Voilà. Et là, je peux pas sortir, je suis obligé de parler, c'est ça qui est fou. Faut que je parle à Irène, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a plus ailleurs de... Ah là, une solution, ça voilà, une solution qui sera équitable pour tout le monde. Voilà. Et vous allez faire la queue. Voilà. Voilà, prenez les noms et je verrai tout le monde dans l'ordre d'arrivée, bien évidemment. Tu te démerdes, Irène, maintenant je vais dans mon bureau. Voilà. Alors, de mémoire. Alors, better go back in there, c'est ça. Il faut que je fouille. Il faut que je fouille le courrier. Junkmail. Alors, si je le pousse. Ah oui, ok, je sais ce qu'il faut faire. Il faut utiliser le ventilateur. Non? Ah, dommage. Pick up. Junk mail. Très bien.
Ah oui, alors attendez. Ah oui, c'est vrai que c'était que par. C'est effectivement, les icônes et les pictos sont apparus bien plus tard. Pour l'instant, c'était que du texte. Si je regarde le junk mail, ok. Si je re-regarde encore là, letters, voilà. C'est un truc de fou. Alors, on va prendre les lettres. Pick up letters. Voilà. On va regarder encore. Les papiers. On va les prendre. Voilà. Et là, c'est le colis de papa du professeur Jones. Donc, je crois que je suis obligé de le prendre. Et si une étape importante, Abilise, ouais, ok. Donc, il va laisser tous les autres courriers et voilà, on va prendre ça. On va l'ouvrir, bien évidemment. Et c'est le journal de mon père du Graal. Ok, est-ce que je peux le voir? Look. L'ancien est pertinent. Ok. Ce qui était fou, c'était que dans le jeu d'origine, on avait un petit livret. Et certains indices pour passer les épreuves finales étaient indiqués, nous montraient où il fallait cliquer pour ne pas se faire, pour ne pas se faire buter lors de la première épreuve. Et ça, je l'ai découvert que bien plus tard, parce que quelquefois, ça se joue au pixel près. Oh, ça m'ébaxe. Voilà, donc attendez, alors look, de toute façon on va se barrer de là. Je pense qu'il y a quelques petits trucs un petit peu humoristiques. On va partir de là. Box est en avant, d'accord. Et si j'éteins la lumière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut le faire? Pas du tout. Eh bien on va se barrer. Et on va ouvrir la fenêtre et on va partir. Celle-là peut-être, voilà. Et on va se barrer de notre bureau. Et c'est là qu'on se fait effectivement intercepter par les mecs de Donovan, qui va nous exposer ce qu'il attend de nous. Et c'est là que le film commence vraiment, ainsi que le jeu. C'était une dinguerie, hein, vous vous rendez pas compte, parce que c'était à l'époque de pouvoir jouer à ce film, parce que c'était vraiment ça. Et la réalisation et la conversion et l'adaptation est juste magistrale, quoi. Bonjour, bonjour, Dr. Jones, j'espère que je ne vous ai pas inquiété. Je n'ai pas besoin de telles méthodes pas orthodoxes d'introduction. Je suis désolé, mais si mes hommes vous ont emmerdé, mon nom est Walter Donovan. Je sais qui vous êtes, monsieur Donovan. Vos contributions au musée sont extrêmement généreuses. C'est vraiment le copier-coller du film, hein. Des dialogues du film. Et je dois dire que certaines de vos pièces sont plutôt impressionnantes. Faites comme vous voulez. Non, là, comme vous-même, j'ai une passion pour les antiquités. Regardez, vous pourrez trouver ça intéressant. Eh oui, forcément. J'adore ce jeu. C'est fou de pouvoir y rejouer tant d'années après. Je suis hyper content. Alors, des symboles chrétiens, middle, moitié du 12e siècle. J'ai pas eu le temps de tout voir. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Eh bien, on a les montagnes au nord d'Ankara. Est-ce que vous pouvez la traduire? Bien évidemment, mon petit Donovan, je vais te la traduire. Il manque l'eau, mais le reste. A spring welling, je sais pas quoi, avec la vie éternelle, à travers le désert, au canyon, au croissant de lune, oui, c'est ça. Ah oui, le spring, c'est une fontaine. Où la coupe qui a récolté le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, réside pour toujours. Le Saint Graal, Dr. Jones, ça amène à la vie éternelle. À tous ceux qui boivent dedans, ou à celui qui boira dedans, putain, boira dedans. Un vieux conte pour homme, l'homme, le rêve de chaque homme, également votre père. C'est le plus grand spécialiste du Graal en ce moment. En attendant, quoi qu'il arrive, une tentative pour retrouver le Graal est en cours. Mais la tablette est incomplète. Nous ne savons pas où chercher. Cette tablette est l'un des deux indices laissés par les trois frères durant la première croisade. Ce manuscrit franciscain nous raconte que le second marqueur, second truc, a été enterré avec l'un des chevaliers. Ça suggère que la description du Graal peut être trouvée
dans la tombe du chevalier, donc je dis chevalier. Ça dit aussi, est-ce que le Graal, voilà, une petite touche d'humour, est-ce que le Graal scintille, mais ça ne dit pas où la tombe du chevalier pourrait être trouvée. Notre leader de l'équipe croit que est à Venise, Italie, et c'est là où il a disparu. Vous vous trompez de Dr. Jones, monsieur Donovan. On voudrait que vous continuiez sa quête. Voilà, vous avez le mauvais Jones. Vous devriez parler à mon père. Votre père est celui qui a disparu. Et voilà, Laurent Jaffé, c'est l'homme qui a disparu. Et on va se retrouver à Venise. Ah non, c'est ça. Il va falloir aller chez notre père. Alors attends, de mémoire, je crois qu'il faut que je... il faudra que j'aille parler à Marcus. Alors, est-ce que je peux passer par là ou est-ce qu'il va falloir que je passe par mon bureau? Je ne sais plus. On va à la porte. Allez, tac. On va continuer jusqu'à ce qu'on arrive à Venise. Et après, je couperai, on fera la suite un petit peu plus tard. Est-ce que ça, c'est le bureau de Marcus? Ça m'étonnerait quand même. Non, ok, il y a une classe en cours. Alors, où est the fucking Marcus? Look, look. Pas du tout. Ah, bah voilà. Oh, hop, 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 hop. Marcus, Marcus. Il faut que je te parle. Est-ce que j'ai raté quelque chose pendant que je suis parti? Ah non, c'est peut-être pas ça, alors. Professionnel, non, c'est pas ça. Alors, attendez, il faut que je retourne. Il faut que je regarde le package, parce que ça va être marqué Italie. Et je vais pouvoir à ce moment-là me casser en Italie, cette merveille, vite. Oui. Ok, don't be a tweet, twit, Marcus. Il y a des questions. Oui, Marcus a vu l'os sur Sense of Humor. Au 2000, conseiller la situation. Hop, sens de l'humour. Je voudrais juste que cette. Ce petit dialogue se termine, parce que je voudrais bien avancer un petit peu. Voilà. Ok, merci, félicitations pour la croix. Il faut que je regarde mon. Ah, c'est ça, nous pouvons discuter, nous en aurons plus tard, autour d'un dîner au champagne. Voilà, barre-toi, il faut que je regarde. Est-ce que je peux le regarder là? Est-ce qu'il faut que je retourne dans mon bureau? Ah, merde. Peut-être que je retourne voir les cours. Le cours. Oui, mais je vais pas pouvoir en fait, il faut que je repasse par l'extérieur. Parce que les étudiants vont me casser les burnes. Ça, je crois qu'il faut que je reparte. Je vais bien y retourner, hein, mais je pense que c'est peine perdue. Oh, ils vont me casser les couilles. Je n'aurais jamais dû passer par là. J'aurais dû me barrer. Ah, putain, ça va recommencer là. Allez. Il faut que je me casse de là en fait, quoi. Il faut que je reparte en arrière. Allez, parlons de là. C'est sûr qu'ils allaient me faire chier. Allez hop. Et les musiques à Venise sont tellement top. Je me rappelle effectivement du passage dans les égouts avec les rats, la lampe de poche. Sors, voilà, sors. Allez. Retournons dans notre bureau qui est là. Hop. Et je pense qu'on va pouvoir re-regarder les lettres. Peut-être qu'on aura une lettre de Venise, et peut-être que ça va nous parler de mémoire. Hein. Ça fait 30 ans que j'ai pas fait le jeu, hein. Donc autant vous dire que... Donc, c'est sûrement pas ça. Look. Donc on peut pas regarder ça. Elle travaille, je peux pas travailler... Attendez. Si je... Juste le sort, est-ce que je peux travel oui, voilà, chez mon père. Voilà, c'était ça. Quel merdier! Je me demande ce qu'il avait bien pu. Je me demande ce qu'il cherchait.
Je me demande si ce n'est pas le journal que papa m'a envoyé. Alors, de mémoire, il y a un pixel derrière ça qu'il faut choper. Attends, on va juste regarder. Ça, juste pour voir. Je ne sais pas si on peut aller dans les cuisines. Il n'y a pas de papier dedans, d'accord. On va retourner le réfrigérateur. On va l'ouvrir, évidemment, il n'y aura rien d'intéressant là-dedans. Mais... Et donc, c'est ça qui était marrant à l'époque, c'est que quand vous cherchiez comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Ah, ça, il faut que je le prenne. Je ne sais plus pourquoi, mais ça, je dois le prendre. Tac, 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 pick-up. Il me semble qu'effectivement, ça, je dois le prendre. Je ne sais plus pourquoi, mais je vais en avoir besoin. Look. Bookcase. Elle va tomber normalement. Si je la tire, c'est marrant que je me rappelle de ça encore. Alors non, oui, alors c'est pas ça. Je voudrais que tu poules ça, le bouquet surtout. Voilà. Marche là. Et voilà. Je crois que là, il y avait un truc. Regardez, regardez. C'était quoi? Il y avait un truc, mais c'était vraiment. Ah oui, c'est un petit bout de papier là. Voilà. Et ça, il fallait le voir. Et c'est marrant, je m'en rappelle encore, mais c'était une dinguerie. Alors, Octo. Alors, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais pas. On va le prendre surtout. Pick-up. Le bout de scotch qui colle. Voilà. Alors, je ne sais plus pourquoi. Est-ce que j'en ai besoin maintenant ou plus tard? Je ne me rappelle pas. Attendez, on va fouiller un peu la chambre parce que ça me paraît. Très peu. Mais de mémoire, il me semblait que quand on baladait la souris, c'était plus tard, on avait les mots qui s'affichaient. On va regarder ça. On va ouvrir le tiroir. Est-ce qu'on peut regarder? On va ouvrir le tiroir là. Est-ce qu'on peut? Et sinon, je crois qu'on va pouvoir se barrer à Venise. Et donc, de mémoire, on a tout fait ici. Look. Books, et on va pouvoir se barrer à Venise. Et donc ce sera pour la prochaine vidéo parce qu'effectivement, on va regarder si on peut y aller tout de suite. Ah, quel bonheur absolu. À cette musique de dingue aussi. À Venise. Comment suis-je supposé reconnaître notre contact, le docteur Schneider? C'est peut-être elle qui nous reconnaîtra. Effectivement. Docteur Jones. Oui. Je sais que c'était vous. Vous avez les yeux de votre père. Mais les oreilles de ma mère. Mais le reste vous appartient. C'est comme si on avait parlé de vos meilleures parties, Marcus Brody. C'est exact. Je suis le docteur Elsa Schneider. Oh. Est-ce qu'on peut parler de la disparition de mon père? Bien sûr, nous étions en train de travailler dans la librairie quand c'est arrivé. Je vais vous montrer. Et nous, on va s'arrêter là. Si on peut couper. Voilà, pourquoi n'y arrivez-vous pas tous les deux? Ouais, c'est pas comme dans le film, ça. Je pense que je vais me faire un tour de gondole en relaxant. Très bien, Marcus. Dr. Schneider, montrez-moi le chemin. Enfin, c'était vraiment dingue, hein, de pouvoir revivre les événements du film. Ça ressemble plus à une église qu'à une librairie, qu'à une bibliothèque. Vous ne pouvez pas dire mieux, c'était une église pendant les croisades. Maintenant, avant que votre père disparaisse, il était en train de regarder, je sais pas quoi, quelque chose à propos de numéros romains. Il disait qu'ils avaient cherché partout son succès. La bibliothèque va bientôt fermer. Je vais m'arranger. Je vais être sûr qu'on ne me dérange pas.
Et nous pourrons regarder, nous pourrons chercher autour tranquillement. En gros, c'est ça. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Et nous, on va s'arrêter là, les enfants. Et moi, je vais continuer. Et voilà. Allez, à la prochaine vidéo pour la suite de ce jeu que j'adore par-dessus tout. Ciao, ciao!